tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je parlais déjà de nettoyage de balcon, mais il y a eu quelques imprévus, donc j'ai dû repousser le projet. Il y a eu des travaux faits sur tous les balcons de la résidence, donc j'ai dû pousser toutes mes plantes du côté du mur pour permettre aux intervenants de faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis il y a eu la pluie, il y a eu la flemme, il y a eu des événements divers et variés, donc me voici aujourd'hui pour le nettoyage. Alors rien de bien folichon, je vais faire du nettoyage, enlever des feuilles mortes parce que sur un balcon il y a beaucoup de matière organique qui s'accumule au fil du temps. Donc enlever quelques feuilles mortes, remettre les plantes en place, enlever mon tapis d'extérieur que j'ai envie de remplacer. Peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je vais installer le nouveau qui n'est pas encore arrivé. Et puis voilà, on y va! Alors ça c'est l'ancien tapis d'extérieur qui va donc aller aux encombrants. Il commence à bien vieillir, il y a des petites particules de plastique qui s'en détachent et c'est plus du tout agréable en sensation sous les pieds, si on peut dire, et même en nettoyage. Donc il va aller aux encombrants. Cette table là, je vais devoir la remettre, mettre les chaises à leur place, etc. Donc ça ce sera l'objet d'une autre partie parce que là je suis un petit peu fatigué. On s'en rend pas compte, mais le jardinage, balconnage, c'est de l'activité physique. Il y a beaucoup de mouvements, on se baisse, on se relève, on fait des squats, on se courbe, etc. Et oui, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Je suis arrivée dans cet appart, j'ai hésité soit à laisser les dalles nues comme ça, soit à mettre des sortes de parquet d'extérieur, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des carrés qui s'encastrent les uns à côté des autres, en bois en général. Et puis quand j'ai vu comment ça vieillissait, et puis le fait de me dire je vais faire du jardinage, faire du rempotage, etc., qu'est-ce qui va se retrouver en dessous en termes de matière organique, j'étais pas trop prête. Donc peut-être que je vais changer d'avis plus tard, hein, mais pour l'instant je laisse les dalles nues, sauf sur la partie où il y a justement la table, les chaises, etc., où je vais mettre le nouveau tapis. En parlant du nouveau tapis, je l'ai commandé
sur Amazon, il arrive bientôt. Il est dans les tons beige, beige clair, naturel un petit peu. Il va de ce coin jusque-là, donc pour couvrir un petit peu la partie sociale du balcon. Une fois qu'il sera arrivé, je pourrai le mettre, je pourrai réinstaller la table, mettre les chaises et profiter du balcon pour cet été. Dans les projets plantation, je suis vraiment, vraiment, vraiment à la ramasse. J'ai toujours pas planté mes lys. J'ai toujours pas rempoté toute la partie potager. J'ai toujours pas mis les radis dans leur jardinière. Je fais ça dès que j'ai du temps. Je suis très contente de mes hortensias là, qui ont bien fleuri. Les boules sont bien juicy, bien belles. Et j'ai aussi ce géranium qui a commencé à fleurir. Jusqu'ici, il n'est pas encore attaqué par le papillon noir dont je vous parlais la dernière fois. J'espère que ça va rester comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le jour d'après. Aujourd'hui, je fais toutes les plantations au programme, tous les rempotages, tout, 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 tout doit finir aujourd'hui. Terminer de procrastiner, etc. Il va sans doute falloir que j'aille racheter de la terre, mais en tout cas, je finis tout aujourd'hui. C'est parti!
Et tu fais tout pour que la caméra ne te voit pas. Qui me parle? C'est moi? C'est la voix off? Ok, maintenant il faut que j'enlève des pots. Sans casser. Mais tu gardes la terre. Hein? Tu gardes toute la terre. Qui est dedans? Ouais. Oui. Hein? Oui. Tu peux prendre un couteau à beurre, et tu fais le tour comme ça. Couteau à beurre. Est-ce que j'ai déjà un couteau à beurre dans cette maison? Moi, je considère tous les couteaux qu'on a là, avec les petits crans, je considère ça comme des couteaux à beurre. C'est faux. Le couteau à beurre n'a même pas de petits crans. C'est juste comme ça, comme ça. Sans casser. Sans casser. Sans casser. Oh là là. Oh là là. Ça a commencé déjà après, c'est ça. Il y en a un au marché, il y a un jeune, il arrive, il me fait, je peux emprunter votre portable pour faire un calcul? Quoi? Il a cru que j'étais des hier ou quoi? Je dis, c'est quoi votre calcul? Comme si c'était ça le plus important. Alors, ça filme toujours? Ouais, on est en non-stop, on va juste refaire la voix off. Les racines voulaient déjà remonter. Comme ça. Ensuite. Maintenant, l'idée, ça va être d'enterrer ça sans casser les feuilles. Donc, malaxe déjà ta terre là. Soit coopérative. Tu dis ta terre comme si c'était ta terre. Voilà. C'est mon bout de terrain. Voilà. Je suis propriétaire de. Voilà. De terrain. Il faut que je leur mette des tuteurs. Des beaux tuteurs là. C'est pareil là, tu sais ça. Je peux pas mettre des tuteurs comme on a vu. Les trucs en plastique là, tu sais, en tupole. Ah oui, mais c'est pas le genre de fleurs qu'on a vu. Je crois que ça déborde. Tu vois, c'est en train de refaire les. C'est pas le genre de fleurs qui a besoin de ça. En revanche, celle qui est au fond là-bas, on a besoin. Alors. Voici son tuteur, mais. Peut-être que je tourne comme ça. Niveau de batterie 15%. Quoi? Ouais. C'est ce qui vient d'afficher. Quel échec. Quel échec. Donc si t'as pas d'image après, tu termines par un silence, ça pousse. Allez, c'est toi le studio. Soit peut-être ça. Je vais mettre ici. Voilà. Maintenant il faut les fenêtres. Je vais voir comme ça, hein, je vais par poignée. Attends, est-ce que je peux mettre ça dedans dans le fond? Parce qu'il faut. Aïe! Quelqu'un va se casser. J'ai avec les mains.
Alors ici, j'ai planté deux rangées de radis. Dans 18 jours, je suis supposée pouvoir récolter des radis. Je vous tiens au courant. Alors, j'ai mis du paillage pour optimiser les arrosages. Mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais en jardinerie. Et donc, je me suis rabattue sur quelque chose de pas prévu pour ça. J'ai pris de la litière pour lapin. Alors, ce que j'ai regardé dans la composition, ce sont des copeaux de lin. J'imagine qu'il n'y a pas autre chose. J'espère qu'il n'y a pas autre chose de toxique pour les plantes. Si vous avez cette info, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, que j'enlève ce paillage si c'est toxique pour les plantes. Mais voilà, pour l'instant, j'ai mis ça. Dans ce pot en tissu, j'ai donc mis les deux pieds de poivron, le pied de tomate et ici un pied de gingembre que je fais pousser depuis des mois. Ici le basilic, le persil, le chou kale. Alors, je vous présente mes deux derniers craquages à mon passage en jardinerie. Donc, j'ai pris des campanules, j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup cette plante aussi. Et j'ai pris de la lavande. Ça sent super bon, ça attire les abeilles, les guêpes et tout ça là. Et le but aussi, c'est que quand elles vont venir pour la lavande, qu'elles fassent aussi leur travail pour la tomate, le poivron et tout ça. Donc voilà, donc finalement j'ai ici du violet. Et ici aussi du violet. J'adore. Donc voilà, c'est terminé. Ça a été beaucoup de travail. Mais j'ai tenu mon objectif de tout terminer, tout ce qui concerne les plantes, au moins aujourd'hui. La prochaine fois, je vais pouvoir installer tout ce qui est mobilier, donc le tapis, les chaises, coussins de chaises, etc., etc. Et montrer le balcon en mode été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et d'ici là, je vous dis à plus.